Hello, bonsoir, ici PH pour Stack.ca et nous sommes en direct du break numéro 361, 361, et tout le monde arrêtez d'offrir vos pellings et vos Petri à Frank, s'il vous plaît. quoique, attends-moi 30 secondes. Tu vas rire, attends un peu Frank. Es-tu prêt? Ah, il y a là. Alors, juste ici, mon Frank. L'avais-tu, celle-là? Tiens. L'avais-tu, mon Frank? Salut, Vince. Ah non, tu la veux pas. Je sais que tu la veux pas, cette peeling. Alors, on est prêt pour le break 361. J'espère que vous êtes en forme, tout le monde. Vous êtes en forme parce que nous n'en avons qu'un seul ce soir, malheureusement. Un seul. Hey, Vince, pendant que t'es toujours là, Vince? T'es là? On dirait que je passe des petits messages. J'ai tout ce qu'il faut en arrière de moi. Tu te souviens-tu? Break est en ligne. Si jamais tu connais du monde qui voudrait être intéressé ou qui voudrait participer, hein, le break de soccer Tops Chrome. Alors, on a deux hobbies et une light. J'ai hâte d'ouvrir ça, là. Je suis curieux. Très, très curieux. J'ai hâte que vous embarquiez. Alors, voilà, les messages sont passés. Des SPA Blaster Box, no. On a des boîtes de SPA régulières ce soir, pas des SP Blaster. Et là, je pense que je m'étais échappé quelque chose sur moi. Heureusement, je l'ai vu à temps. Bon, OK, ça suffit. On est là pour les choses sérieuses, tout le monde. Parce que nous avons un break de 8 boîtes à vous ouvrir. Et voyez par vous-même, nous avons nos 31 équipes Dash Combo. Et vous êtes présents, 31 places qui ont été réservées par une ou plusieurs personnes dans ce break. Alors, ben, je vous fais pas perdre trop de votre temps. J'ai pris un petit peu mon temps, moi, à manger. D'ailleurs, je suis en train de digérer, je suis désolé. Allez, joie de souper à des heures irraisonnable dans le magasin, ou dans un magasin plutôt avec service à la clientèle. Des fois, ça fait qu'on mange à des heures un peu étranges. Mais là, la machine a décidé de faire comme à son habitude, de ne pas coopérer. Bon, mais ça là, je vous le jure, j'ai mis quelqu'un sur le dossier et j'espère que ce sera réglé bientôt parce que là, ça fait beaucoup de temps d'attente. Là. D'habitude, c'est assez instantané. Là. Je pèse, paf, on a les trois brassages de chaque côté et on s'en va en direct. Mais là, il y a un petit délai et je dois malheureusement passer par une autre méthode très, très simple. Je dois seulement ici recliquer là. Essayez quelque chose pour le fun. Vous me laissez 3 secondes. Si je clique ici, ça fait quoi? Wow, il y a du son. Il ne se passe rien avec le son, alors ça ne change rien. Voilà. On va réouvrir le tout. Hello, Martin! Comment tu vas? Alors voilà, on revient. On va masquer cette liste. Forward, partez, voilà. Et on clique sur Close. Et voilà, Frank, t'as tout résumé, t'as tout à fait raison. Il n'y a pas plus de produit qui sort chez Hopper Deck la semaine prochaine. Eh bien, c'est des fois le danger de vouloir être le premier sur une nouvelle. Moi, j'ai une attitude un petit peu plus. Hein? Je me protège, je fais attention. Il arrive toujours des surprises avec les sorties de produits dans les dernières semaines, derniers mois. Alors, on n'a pas fait de trop de fla-fla, d'annonces ou quoi que ce soit. On a voulu attendre et voilà, c'est remis. La date qui a été évoquée pour l'instant est le 10 août. Alors, sous toute réserve, ce sera le 10 août. Oh, la machine part. Hey, hi Jerry, how are you tonight? Alors, c'est parti pour le premier tour de brassage de Boston jusqu'au New Jersey.
Alors, Black Diamond Clear Cut ne sortent plus mercredi prochain. Ils sortent le mercredi 10 ou sous toute réserve. Toute réserve. Et voilà pour le troisième tour qui amène l'Arizona au sommet et Toronto tout en bas. Où ce qu'il devrait être. On y va avec le premier tour de brassage de nos participants. De David Joe, ben c'est Simon qui trouve plus. Le deuxième tour de Roxy jusqu'à Simon tout en bas. Je devrais plutôt dire Simon Joe. C'est un spot partagé, mais toutes les chances sont de votre côté. Bonne chance à vous. Et le troisième de Martin jusqu'à François. Alors, Mario, excuse-moi. Je crois. Ou peut-être Mario. Oui, c'est Mario. Parfait. Alors, on y va pour le mode carte. Tout le monde, allons-y. Et nous sommes maintenant en mode carte. Allons vous montrer la liste des équipes. Alors, c'est parti tout le monde. On y va. Bonne chance à tout le monde. Claude avec les Ducks. L'Arizona pour Mario. Boston à Richard. On a Buffalo pour Mike. Calgary pour Julien. Nous avons la Caroline pour Benoît. Le Blackhawks. J'achète une voyelle. Les Blackhawks pour Paul. Excusez-moi, Marc-André avec l'Avalanche du Colorado. Claude L avec Columbus. On a Dallas pour Daniel. Détroit pour Roxy. Edmonton pour François. La Floride pour André. Nous avons Los Angeles pour François. Le Minnesota pour David qui fait un petit retour. Alors bonsoir David. Je te souhaite bonne chance avec le Wild. Non pas qu'il était parti très loin, mais ça faisait quelques temps. Je ne t'avais pas croisé dans un break. Donc, okay, rebienvenue. Pour le Canadien, eh bien, nous avons Patrick. Simon avec les Islanders. Les Rangers pour Louis-Philippe. Nashville pour Martin S.A. et Martin S.I. Les Devils. Simon Ottawa, André avec les Flyers, Pittsburgh-Seattle pour Marc-André, San Jose pour Mathieu Saint-Louis, c'est Simon. François Tampa, Toronto aussi pour François, Roxy avec Vancouver et Vegas, Steve Washington et Claude avec les Jets. Alors Claude, ouvre et ferme la liste des équipes avec les Ducks et les Jets. Alors, on va débuter avec les Tin. On va se mettre l'eau à la bouche avec latine, pas avec une latine. Faites attention, c'est pas ce que j'ai dit. oh là là, c'est vendredi festif tout le monde, let's go. Alors le podium de la gloire aussi fait son entrée et notre première tin de série 2. Alors c'est un départ pour cette belle soirée et j'avoue Martin, que je la comprends vraiment pas. Comment le hasard peut faire que tu tombes encore sur Nashville? Wow! No, Jerry, I didn't see it. To be honest, I didn't go on Facebook this week. I've been very, very busy with personal. Nine packs and one pack on the other side with personal matters and a lot of things to do in store. So if you have the link or just the picture, you can send me the picture of the card in private. I will be very, very glad to see you. Ben, je te le souhaite, Claude. Je te souhaite vraiment d'être très chanceux avec le début et la fin. Et bonsoir, Steve. Bonsoir. Donc, ben ça fait plaisir, David, ça fait toujours plaisir. J'aime ça, moi, voir le monde revenir. Hein. M'ennuie de vous autres. Huko Pekka Luukkonen pour débuter avec ce premier paquet de Glossy. David Ferenc pour les Preds. Et Callan Addison sont nos trois premières cartes. Bonsoir, Phil. Hello. Comment vas-tu, le Phil? Comment tu feel? C'est parti avec le premier paquet et déjà une Moritz Cider. Et là, je vais avoir besoin de votre aide. On m'a dit aujourd'hui que c'était orange. Et là, je la regarde puis je suis pas trop sûr, mais je pense que oui. Je pense bien que c'est une orange. Moritz Cider pour les Red Wings de Détroit, de Roxy. Et tout ça pour un petit coup de tonnerre. Ah ouais donc, let's go. Alors, ma lumière est un petit peu trop forte. Vous me permettez seulement deux petites secondes de faire un truc. On va jouer avec les lumières en front right. Je pense que... Ah, voilà. C'est pas mal mieux. Pas mal mieux comme ça, cette hauteur-là. Excellent. C'est parfait. Good job. Donc, première carte ici.
Orange. On me dit gold. On me dit orange. Ben fait dire que c'est vert. Hey, t'es fin, Ben. T'es fin. Tu m'aides beaucoup. Alors, voilà pour le premier paquet. Sont verts au même titre que les Flyers de Philadelphie. C'est vert. Là, il s'arrange pour que je le croie plus là, quand il va me parler les prochaines fois. Je vais toujours douter de sa parole, c'est Benj. Alors, pour les Red Wings, dès le départ, Moritz Seider. On continue avec une Alex Nedeljkovic pour les Red Wings de Détroit. À nouveau, c'est une Hopeichi update. Les paquets sont verts. Ben oui, tout à fait. Ça, je le crois. Première Young Gun ici, c'est une Cole Sellinger. Cole Sellinger. Les Blue Jackets de Columbus qui appartiennent à Claude L cette fois. Ça fait longtemps que je l'ai dit qu'il n'est pas fier. Cole Sellinger, Young Gun pour les Blue Jackets. Voilà, là, comme ça. Je songe à faire un petit quelque chose de même. Et de même. Là, on commence à jaser. Hein? Le prochain paquet. Là, le paquet il est à l'endroit. Les cartes sont à l'envers. C'est sans dessus dessous. Beauty Portraits de Jasper Weatherby pour les Sharks de San Jose. Un autre paquet sans dessus dessous. On a une Young Gun à l'envers. Alors, je tourne le paquet. Non. Coudonc, je l'ai-tu passé? C'est pas une Young Gun, c'est un paquet de base. 1, 2, 3, 4, 5. On va repasser ça ici en cas. 1, 2, 3. Tu pili pipili. Ah, ben c'est un paquet de barres, je suis désolé. Je me suis mépris. Ah, les cartes en vert. Voilà, paquet de base pour ce paquet. On enchaîne avec le suivant. Celui-ci a une Simon Benoit. Voyons, pourquoi je la tourne? Excusez-moi, Simon Benoit. Marky Rookie Retro. Eh là là. Je comprends pas comment ça se fait des choses comme ça, mais c'est toujours cocasse de le voir. Alors là, on revient à l'endroit. Et on a une Young Gun de Yegor Sharangovich. Alors, une tin toute réservée aux Blue Jackets en matière de Young Gun. Alors, Sharangovich. Pas Sharangovich. Chinakov. Yegor Chinakov. Eh mon Dieu. Sharangovich, lui, est avec les Devils. Upper Deck font comme Tops. Ouais, sauf qu'avec Tops, les cartes à l'envers, au moins, sont toutes à l'envers. Elles sont pas une fois de temps en temps à l'envers. Puis quand elles sont de l'autre sens, ben c'est parce que c'est une short print. Et chez Upper Deck, non, pas vraiment. En tout cas, du moins, c'est pas ce que j'ai pu noter. Dernière carte ici, une Portraits Rookie pour Chicago de Wyatt Kalaniuk. Allons voir la deuxième tin. Il y aurait intérêt des fois à faire comme top, et c'est pas une critique. Hein? Je dois faire attention, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Mais, il y a toujours place à l'amélioration. Ah, ouais, donc, ouais. Alors, 10, numéro 2. On s'ouvre ici. Et là, comme ils ont réduit le nombre de paquets dans les tins, comme dans tous les autres paquets de format retail, on a seulement le petit paquet au pitchy d'un sens et les 8 autres sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, bel et bien 9 paquets tin vide. Ceux qui seraient intéressés à les prendre, nous les donnons. Elles sont gratuites. La seule condition, c'est que vous devez passer les prendre en magasin. Si vous en voulez par la poste, vous me contactez en privé et on va s'arranger. Voilà pour David Farrens au Peachy Glossy. Copper ou Gold, à vous de m'aider pour une Mason McTavish des Ducks d'Anaheim et Vasily Podkolzin pour les Canucks de Vancouver. Alors, premier de 8 paquets de la tin. Allons-y tout de suite avec une Adam Fox. Dazzlers, Adam Fox, orange. Hein? C'est bien orange avec les feux d'artifice. Et le logo des Rangers dans le dos. Mais pas dans le dos, mais dans le back de l'image. OPG Update Rétro, Philippe Tomasino pour les Predators.
En fait, je vais te répondre à quelque chose avant. Les tins que tu donnes en magasin. Oui, oui. Orange avec tous ses bras. Je vais juste voir c'est quelle carte que nous avons ici. C'est une Young Gun de Jonathan Dallin pour les Sharks de San Jose. Je vais commencer par te répondre par une autre réponse, par une autre question que tu n'as pas posée, mon Vince. Mais tu vas comprendre où j'en viens. J'ai remarqué que Fanatics avait commencé à vendre des produits de Tops, des produits baseball, Tops, comme des séries 1, séries 2, dans les magasins grande surface, comme exemple les Lids. On a une Jake Lecession, Marquee Rookie Update pour les Golden Knights de Vegas. Je peux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Par contre, je trouve que c'en est une très mauvaise pour l'allure du hobby. On a une Future Rookie Treads, excusez-moi. Alors, c'est une Rookie Treads Wade Allison pour les Flyers de Philadelphie. Et oui, ils sont orange. Pour les Flyers, Wade Allison. Rookie Treads avec un petit bout de napkin blanche. Pour les Flyers. Alors, moi, je trouve ça un petit peu... Je m'excuse le mot, je le pèse quand même, mais je trouve ça aberrant de voir qu'il passe outre des magasins, qu'il envoie même pas des quantités suffisantes à certains magasins, mais qu'il envoie des quantités dans des lids où les gens se rendent là pas pour acheter des cartes. Yossi Saros pour Nashville Canvas. Alors imagine s'ils commencent à vendre des cartes gradées dans les shops internet. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc je déplore aussi ce fait. Young Gun pour les Kings de Los Angeles. C'est Vladimir Kochev. Je trouve que ça va un peu contre nature. On affiche des cartes gradées sur des pages. Alors, Vladimir Kochev pour les Kings de Los Angeles. En fait, Vince, tu viendras me voir en privé. J'ai vraiment quelque chose à te dire par rapport à ce que tu viens de dire là. That's pink. What's pink? Oh, sorry. What is pink? Jerry, did you see something pink that I didn't? Is there any pink card that I didn't mention? So let me know. I will get it back and show it to everyone if I missed a pink card. Or if it's a joke. Okay, but I'm asking the cutter, Jerry, because I'm colorblind. So it's not that funny. Aaron Ekblad, Superstar Honor Roll pour les Panthers de la Floride. So, this is the last pack, dernier paquet de la deuxième tin. Troisième tin en cours de route. Allons-y, allons-y. Et c'est parti. Oui, ils ont déjà des plateformes. Ils ont déjà. Mais... No, it's okay, Jerry. I'm not mad. I'm not really not mad. It's just that... The same joke has been made so many times before that I can't laugh anymore about that. So I prefer just saying to everyone that I'm colorblind and asking every time about the real color of the card. But don't worry, I'm not that. I'm not. In French, we say. Bref, it's okay. We'll pass to something else. Moritz Cider Peachy Glossy pour les Red Wings. On va y mettre une petite sleeve à lui, à Moritz. On a une Vasily Podkolzin ici pour les Canucks de Vancouver. Est-ce que c'est gold ou copper? Bonne question. Et Alex Barré-Boulet pour le Lightning de Tampa Bay. Bon, excusez-moi, je suis comme bombardé de questions en même temps. Là. Ah, je vais juste répondre à une personne, je suis vraiment désolé. Là, je présume qu'il va me demander quelque chose, alors je vais lui simplifier la tâche. Ça se peut que vous entendiez ma voix en double pendant 3 secondes. Si c'est le cas, je suis désolé. Alors, on clique là et on clique là.
ma voix en double pendant 3 secondes. Je me suis muté et voilà. Et on share, copie. C'est parfait. Alors, c'est envoyé. Alors, je ne sais pas s'il va se joindre à nous quand même. Il aurait peut-être voulu embarquer, venir participer à ce break. Hey, je fais 54 mots minutes, mon homme. Ah, c'est un vieux record, ça, 54 mots minutes. Je ne suis pas sûr que je le fais encore, 54 mots minutes. Mais oui, oui, le fameux logiciel Taptouche. Je l'ai passé quelques reprises avec l'examen final autour du 52-54 mots à la minute. Alors, si tu te joins à nous, Martin, bonsoir, 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 Martin. Alors, paquet de base ici. Mes excuses. Alors, on reprend. Ici, on a une OPG update. Keith Yandel, rétro pour les Flyers. À 13 ans, à Taptouche. Ben, non, moi, j'avais pas 13 ans. Hein. Je suis un petit peu plus vieux que toi, je pense. Moi, j'étais majeur. On a une Young Gun, qui est d'autre que les Preds de Nashville. David, non, pas David Farron, excusez-moi. Tomáš Novák. Tomáš Novák pour les Predators. Alors, Martin, on a beau dire encore les Preds, mais les Preds, ils sortent des cartes non-stop pour toi, Martin. On continue, il nous reste environ 5 paquets à cette troisième tin de 4. Ensuite, on aura 4 belles boîtes avec un contenu très intéressant. Michael Hauser, Marquee Rookie Update pour les Sabres de Buffalo. On a une autre Dazzlers et c'est une autre Rookie Orange sur une équipe avec un chandail orange pour les Flyers, Cam York. Cam York. Salut Pascal! Hey, justement, je viens d'avoir ton nom. Tu viens de me faire passer, hein? Faut que je t'envoie la carte. Elle est juste ici. En tout cas, elle est juste à côté de moi, Pascal, la carte. Je vais te faire ton enveloppe après le break, sans faute. Je vais pouvoir t'envoyer ça. On continue. À moins que tu veuilles une belle boîte de Pokémon après, je peux te faire un beau petit live si tu le souhaites. Ici, nous avons une Mark Stone, programme d'excellence, Canvas. Et là, je dois me rappeler si Mark Stone, on l'avait attribué à Ottawa. Je crois que oui. Je crois que Mark Stone, étant donné qu'on parle de 2012, c'est l'année avant ou tout de suite après qu'il a été repêché. Ce qui veut donc dire que ce serait pour les Sénateurs d'Ottawa à confirmer, mais ce serait pour Sam Joe. Parce que Canada passe pas à ta shop. Hey, pas grave, parce que si ça passe pas à ma shop, je vais aller ailleurs. Oh, on a une autre Young Gun ici, Adam Ruchiska. C'est pour Julien. Alors Julien, peut-être que tu nous regardes en différé, puisque Julien est un Belge, il vient de la Belgique. Alors, en direct du Québec vers la Belgique, je t'envoie les plus grandes salutations et bonne chance pour le reste de ce break. Tu as une Adam Ruchiska. Et dernier paquet. Le gars de Post Canada n'est pas fiable dans ce coin-là. Non, en effet, je commence à voir ça. Et la dernière carte ici, Roman Josi Honor Roll pour les Predators de Nashville. La dernière tin. Alors, jusqu'à date, si je ne me trompe pas, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Young Gun et une Canvas Programme avec Excellence. En tout cas, pour quelqu'un qui dit qu'il est pas fiable, le gars de la poste, il est souvent au téléphone avec. Hein? Hey! Oh, oh! Quatrième tin. Plastique. Il est peut-être pas fiable à cause qu'il est tout le temps au téléphone. Alors voilà pour nos 9 paquets. Dernière tin vide. Et voilà, une belle petite montagne de tin. Et on y va avec ce dernier paquet. OPG Glossy Alex Bariboulet pour le Lightning. Jamie Drysdale pour les Ducks d'Anaheim. Wyatt Kalaniuk pour les Blackhawks de Chicago.
Manque de concentration. En effet, je suis sûr qu'il y a des enveloppes qui ne se rendront pas des clients. C'est de la faute du gars de Post Canada. Il y a le dos large. Pour les Golden Knights de Vegas, nous avons une Jonathan Marchessault orange. Alors, Jonathan Marchessault pour les Golden Knights de Roxy. On continue avec une OPG update. Brinson Pasichnouk. Rétro. Pour les Sharks de San Jose. Ça, c'est impossible. Ouais. Frédéric Allard pour ben, les Preds. Hein, Martin? Encore les Preds. Alors, Frédéric Allard. Alors, Young Gun de Frédéric. Alors, pour les Predators de Nashville. Autre carte pour les Preds. Ah, il n'y a jamais rien d'impossible, comme on a déjà dit. Jonathan Dallin, OPG update pour les Sharks. OPG update, bien sûr. Carol Vejmelka pour les Coyotes de l'Arizona. OPG update rétro. Alors, on est dû pour une deuxième Young Gun. Ça ne sera pas dans ce paquet, malheureusement. L'avant-dernier de notre quatrième tin. Alors, voici une Young Gun. Dawson Mercer pour les Devils du New Jersey. Très, très bon pour les Devils de Martin. Dawson Mercer. Et voilà. Dawson Mercer, un joueur à surveiller avec les Devils dans les prochaines années. Devils qui sont un peu en reconstruction, hein? Comme une certaine équipe qu'on appelle le Canadien. Dernier de nos paquetines, et c'est une Jesse Ilonen pour le Canadien de Montréal. Voilà pour ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre ça dans le bon sens. On y va-tu avec une SP? On va y aller avec une SP authentique, tout le monde. Alors, petit ménage ici. On va garder ça. Non. C'est une poupée qui fait non. Alors voilà, pour le podium. On a fait un peu de place pour quelques belles cartes qui s'en viennent dans les quatre dernières boîtes de ce break. Deux SPA, une stature et une hit parade. Alors, la boîte... Oh, la boîte Wayne Gretzky, j'aime ça. 99 comme numéro. Voilà pour ces 18 paquets SP authentiques. C'est parti encore. On n'a pas eu de Young Gun qui ont fait kaboom, mais ce ne serait attendre Shane Bowers Level 1 Future Watch Spectrum FX pour le Colorado. Alors, je sais pas si quelqu'un s'est renseigné à savoir est-ce que le bounty est terminé. Et si oui, quand je dis le bounty, c'est les 50. Est-ce qu'on a une autographe? Oui, première autographe ici. On va se garder comme dessert. Le prochain paquet. Est-ce qu'on a une deuxième auto? Oh, est-ce que je vois du noir ou du rétro? C'est une black. Oh! En black. Ça va être bien ça. Oh, on se garde du petit dessert. Une limited Alexander Barkov. Panthers de la Floride. Le prochain paquet. Une rétro Mika Zibanejad pour les Rangers. Prochain paquet ici, une True Leaders Connor McDavid pour les Oilers d'Edmonton. On va juste prendre ce paquet-là et le mettre ici. Ah ouais, donc les Coyotes pour Mario. Mario, il veut des Coyotes. Bowen Byram, Celebrated Moments pour l'Avalanche du Colorado. Je sleeve parce que c'est une recrue. Reculé dans les années 15, 16 et 16, 17, ces cartes-là, des joueurs recrues.
Donc, quand même une bonne valeur. Braden Shen, rétro pour les Blues de Saint-Louis. Je pense à Connor McDavid, Austin Matthews, Mitch Marner. Il y avait les Silver Skates aussi qui étaient populaires en 16-17. True Leaders de Ryan Sutter pour le Wild du Minnesota. Comment ça va, Mario? Leon Draisaitl Limited pour les Oilers d'Edmonton. On a une autre rétro, Dominic Kubalik, Blackhawks de Chicago. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de Young Gun dans cette édition de SP Authentique. Alors, notre paquet de... Non, désolé. Alex Ovechkin, Celebrated Moments. Pour les Caps de Washington. Dans beaucoup de boîtes, là, il y a au moins un paquet. Quand il y a une auto, il y a les Spectrum FX et un paquet de 4 cartes. Et, ben, on ne l'a pas eu finalement. Il y avait 5 cartes. True Leaders, Roman Yossi. Pour les Predators de Nashville. Alors ici, on a une rétro de Nick Schmaltz pour les Coyotes de l'Arizona. Nick Schmaltz. As-tu fait le tour, voir si tu avais des variations ou des petites choses un peu spéciales? Si tu veux, je te donnerai un petit coup de main pour les spotter. Là. Celebrated Moments pour Vancouver, Quinn Hughes. Puis tu me diras si tu le veux. Quels étaient les noms de tes autographes. Toujours curieux. Limited de Connor McDavid pour les Oilers d'Edmonton. On continue avec le prochain paquet. On devrait avoir une rétro de Igor Shesterkin. Et juste à l'arrière, une Young Future Watch rétro. Et c'est une Dylan Cousin pour les Sabres de Buffalo. Alors, pour les sabres de Mike, Future Watch rétro à l'effigie de l'année 2000-2001, si je crois bien. Une Dylan Cousin, numérotée 298 sur 500. Alors voilà, Dylan Cousin, belle Future Watch rétro, non autographiée sur 500 pour les sabres de Buffalo. Voilà ici les deux bases. Fin de paquet. Dernier paquet de cette première boîte de SP Authentique. Ensuite, on va les découvrir, nos deux autographes. Et la Spectrum FX de Nathan MacKinnon pour le Colorado. Pour terminer. Alors, on y va avec la Black, parce que la Black semble être une régulière, une base. Donc, d'un vétéran très fort probable. Alors, derrière cette carte se cachera cet autographe. Bonne chance à tous. De qui s'agit-il? Et c'est pour les Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk! Boom! Brady Tkachuk! Woohoo! Oh, que je connais un jaloux ici! Brady Tkachuk! Ouais, il va falloir que je reparte la caméra, là. Hein, quelques personnes qui l'ont accroché ici. Mais je vais l'enlever de là parce que ça reste une solide carte. Alors je remets la liste. Mais je le répète, kaboom! Hein mon fil? Brady Tkachuk, Gold Autograph Black. Pour les Sénateurs, ces cartes ont un petit peu de problème avec les Edge, mais dans l'ensemble, là, sont tellement belles. Un petit coin blanc ici, mais... Wow! Très, très belle carte. Pour la première autographe, la deuxième est une Future Watch Auto. Allons-y avec les deux bases de dessus-dessous. Alors, on s'en garde une pour masquer
Le dessous. Alors, on y va. Bonne chance. Et c'est pour les Devils. Ty Smith, numéroté sur 999. Défenseur des Devils. Future Watch. Allô! Pour les Devils. Ah, ouais, donc. Un petit kaboom. Ah, ouais, donc. Pour Martin. Et voilà pour les Devils ici. Ty Smith, Future Watch Auto. Très, très belle autographe. On y va tout de suite avec la deuxième. SP Authentic. Just wow! Je savais que t'allais aimer. Si tu réagissais pas, je te faisais taguer. voilà pour cette deuxième SPA, boîte numéro 6 de ce break 361. Je vous rappelle, hein, vous avez des fois des envies particulières de vous voir ouvrir une boîte. Vous pouvez pas vous rendre en magasin parce que c'est fermé, mais je suis là, vous pouvez m'écrire et accomplir vos besoins. On n'a qu'à se parler en privé pour la facturation et je m'en viens en direct vous ouvrir le tout. Kirill Kaprizov, Celebrated Moment pour le Wild. On enchaîne le prochain paquet. Une rétro chez Theodore. Golden Knights de Vegas. La suite avec ce paquet. Il a l'air plus épais que les autres, mais pourtant, il y a juste 5 cartes. Pour la Carolina True Leaders, Jordan Staal. Oh, yeah. Sure. Sure, Jerry. It's the Kaprizov year. He's a rookie in the SP Authentic. Nikita Kucherov, Limited, pour le Lightning de Tampa Bay. So, basically, it's a 2021. So you can get Stutzle, Kaprizov, Lafreniere, Sorokin, Bowen Byram, Zach Parise pour le Wild, Retro, Holly Yolevi, there's Connor McMichael. No, you're not dumb. It's normal. You can't always know everything and... There's a lot of people asking some questions and the answer is in the question. So I'm just there to let them know, did you see which year is it? So, and they feel bad, but don't feel bad. It's okay. I'm doing the same. Sometimes I'm doing the same thing. Celebrated moment, Connor McDavid pour les Oilers. Edmonton, deuxième pile. On y va ici avec une True Leaders pour les Stars de Dallas, John Klingberg. And I totally forgot also you can get Jason Robertson and Jake Oettinger. Nick Robertson too is a good pick to get in this year. Prochain pack, next pack pour Edmonton, Tyson Barry. Retro. Une Celebrated Moments pour les Sharks, Joe Thornton. Une Limited, Mark Giordano, les Flames de Calgary. Nous avons une autre rétro. Là, attendez-moi, je pense que ça, c'est une autographe, là. Je vais parier que c'est une autographe, OK? Parce que c'est la première fois que je vois une rétro de cette façon. Alors, je prends un guess d'avoir raison. Dylan Larkin, Spectrum FX pour les Red Wings de Détroit. Alors, je vais me laisser une petite marge de manœuvre pour garder le suspense un peu. Ici, on a une John Klingberg, Stars de Dallas. Est-ce qu'il y a des gens dans la foule qui sont des amateurs de films d'horreur? David Pasternak pour les Bruins de Boston. Rétro. Hein? Chucky, l'Exorciste. Michael Myers, Halloween.
Les Gremlins. Ryan O'Reilly pour les St. Louis Blues Cheerleaders. Limited de Matthew Tkachuk, les Flames de Calgary. Ça. Ouais, non, c'est parce que je parle de ça parce que j'ai reçu une petite livraison aujourd'hui de petits bonhommes à l'effigie de vos films d'horreur préférés. Thomas Hertel pour les Sharks de San Jose Retro. Et dernier paquet ici, souhaitons que ce soit une autographe et que nos deux soient très séparés comme ça. Eh bien non. Elias Pettersson. Même pas trop sûr de la coupe, mais... Elias Pettersson pour Vancouver. SP Top Performers. Alors, est-ce que nous avons qu'une seule autographe dans cette boîte? Et peut-être qu'elle est solide. Allons voir. Alors, juste pour le show ici derrière, on a une Josh Bailey rétro pour les Islanders de New York. Et qu'est-ce que j'ai ici dans les mains? J'espère que c'est autographe. C'est pas autographe. Mais quand même, kaboom pour les Wild. Là, j'étais un peu triste en mettant un peu de musique, là. Pas d'auto, mais on a une Future Watch Retro. Kirill Kaprizov pour le Wild de David, numéroté 425 sur 500. Plaisir mitigé. Kirill Kaprizov. Pas d'auto. Là, je suis fâché. On arrête la musique parce que c'est une demi-joie. Mais pour David, quand même une belle Future Watch Rétro 2000-2001. Kirill Kaprizov, 425 sur 500. Et là, j'ai une amère déception. Alors, on va aller faire le... Oui, en effet, et je me retiens. On y va avec la Hit Parade ou la stature. On y va, OK? Moi, je vous fais un deal. Je fais un deal. D'habitude, je vous laisse choisir, mais là, on va laisser le hasard choisir, OK? Alors, impair, 1, 3, 5, 2, 4, 6, la stature. On brasse le dé. Ah oui, donc. Alors, les impairs à gauche ont fait la Hit Parade et les paires à droite ont fait la stature. Et c'est un impair numéro 3. Alors, on fait la Hit Parade et on termine avec la stature. C'est un bon deal, ça? Alors, la Hit Parade. Le dé est toujours là pour aider avec les choix difficiles. Mais en effet, Steve, je vais prendre bonne note de ce numéro de break, tout comme les trois autres, je crois, qui sont survenus. Et je vais vous revenir, j'attends un contact de mon distributeur pour savoir s'il pourra m'aider avec ce malheureux sujet. Donc, Hit Parade, ici, j'ai la carte dans les mains. Boîte vide, boîte vide. Alors, dans quel sens est-ce qu'on s'en va? Offset de ce côté-là. Alors, bonne chance à tout le monde pour cette carte de Hit Parade. Au moins, celle-ci renferme une auto. C'est parti! Et c'est une Embedded Endorsement pour les Rangers! Adam Fox! Ah oui, donc pour Louis Philippe, là. Embedded Endorsement Clear Cut Rookie Adam Fox. Sur 99, le numéro 50. Hey. Hmm.
Bon, on y va pour cette dernière boîte, la stature. Écoutez, j'en prends réellement bonne note, là. Je cache un peu ma mauvaise humeur pour ne pas entacher le début des vacances de tous ceux qui débutent leur semaine, plutôt leurs deux semaines de vacances de la construction, ou si vous l'êtes déjà, ou tout simplement pas en vacances et souhaitez pas vous faire gâcher votre soirée, je ne critiquerai pas quoi que ce soit en public, mais je prends très très bonne note du numéro de break. Et nécessairement, je vais vous revenir avec des détails en temps et lieu lorsqu'il n'y a pas d'auto. Alors 3, 5, 9, il y a 9 cartes au moins. Mince consolation, souhaitons que ce soit assez solide. Je vous souhaite bonne chance pour ces 9 dernières cartes. Et la première, une Brent Burns. C'est pour les Sharks de San Jose. Les sleeves sont collés, excusez-moi, ils ne voulaient pas se lâcher. Alors pour les Sharks, Brent Burns. Base. Brent Burns. Mitch Marner pour les Maple Leafs de Toronto. Voilà. Mitch Marner. Première carte. On va aller en dessous avec une protégée. Kevin Lankinen. Alors, c'est une protégée pour les Blackhawks de Chicago de Kevin Lankinen. Kevin Lankinen pour les Blackhawks. Première carte numérotée. Mais c'en est une pas pire, ça, pour le Wild. Ho ho! Kirill Kaprizov! Pour David, avec son Wild du Minnesota. C'est numéroté 61 sur 175. Et c'est très très bon, ça. Une deuxième Kirill Kaprizov dans ce break 361. Ah oui, donc. On va de la côté juste en dessous de celle-ci. On continue avec la prochaine. Oh, sur 175 pour les Blues de Saint-Louis. Pour Simon, Brett Hull sur 175. Est-ce que Pascal, t'es encore là? Alors, si quelqu'un pourrait me rendre un mini service, pouvez-vous taguer un certain Pascal Bourque? B-O-U-R-Q-U. Oui, t'es là? Bon, mais il est là. Taguez-le pas, il est là. Voici une belle Brett Hull. Alors, je te mets sous. Tu l'as déjà? Bon, ben, pas de problème. Je pense à toi à chaque fois que je vois Brett. Sur 175. La prochaine ici, c'est pour les Panthers de la Floride, numéroté sur 99, variant portrait. Sergei Bobrovsky. Pour les Panthers d'André, Sergei Bobrovsky sur 99, variant portraits. La prochaine. Une Billy Smith pour les Islanders. Billy Smith, numéroté 78 sur 99. Le vétéran. Pas vétéran, mais plutôt retraité gardien de Perth en Ontario. Billy Smith sur 99. Alors, la prochaine est une autographe, ainsi que celle d'en dessous. Ben on va y aller avec celle-là, ça semble être une update. Eh bien, pour les Oilers d'Edmonton, Joel Pearson, autograph. C'est numéroté sur 199 pour les Oilers. Ah oui, dans les Oilers. Les Oilers de François, Joel Pearson. The next SP? What do you mean by SP? SP Authentic, SP Game Used, SPX. Alors, Joel Pearson, autographe numéroté 33 de 199 pour les Oilers. Et notre dernière carte ici, je pense qu'elle est dans ce sens-là. Alors, c'est parti, bonne chance. Et là pour les Sharks de San Jose. Ça fait longtemps que j'ai pas mis la sonnerie. Allons-y pour les Sharks. Alexander True sur 199 autographe recrue. Oh no, my Jerry. Non, mon Alex, à moins que tu voudrais une boîte personnelle, mais non, pas d'autres breaks d'annoncer ce soir. C'était le dernier.
Alexander True Stature. Autographe sur 199 pour les Sharks. Voilà qui met fin à ce break 361. Just to answer you, Jerry, no, there's no date yet. The 2021 just been released, so I expect nothing out until at least a few months, if it's not a year. So we will update everyone with new products every time. You just have to follow our Facebook page, and I will probably make an update as soon as I can get one for the big products like SP Authentic or the Cup Series 1, 2 Extended. So when we will know the dates, we will advise everyone. But for now, the only products we know to be released soon will be the Black Diamond 21-22 and the Clear Cut 2021 on the same day, August 10th. So this is it for now. So I hope it answers your question. Thanks a lot, Jerry, for your presence. Thanks for watching. Alors, récapitulatif tout le monde. Billy Smith sur 99, Bobrovsky, Brett Hull, Lankinen, Marner, Burns, York, Novak, Kachev, Dallin, Shinnokov, Roshiska, Allard, Wade Allison, Rookie Treads, Dawson Mercer, Cole Salinger, Moritz Seider, Orange. C'est une Mark Stone, programme avec excellence pour Ottawa. Dylan Cousins, rétro sur 500 pour Buffalo. Joel Person, auto 199. Alexander Cho sur 199 pour les Sharks. Ty Smith sur 999. Embedded Endorsement, Clear Cut, Rookie Adam Fox sur 99. Kirill Kaprizov sur 175, Stature Rookie. Une Retro Future Watch sur 500 aussi de Kaprizov. Et une Meyers, Brady Tkachuk. Black Auto Gold pour les Sénateurs d'Ottawa. Voilà qui met fin à ce break 361 et à notre Friday Night Live. Sauf si vous avez des envies particulières de vous faire ouvrir des paquets par nul autre que moi-même. Ah, mauvais piton. Alors voilà, tel que je vous disais, si vous avez une envie particulière de vous faire ouvrir des boîtes, vous pouvez regarder derrière moi sur le site internet ou tout simplement m'écrire en privé, avez-vous ci ou ça, je vous donne un prix, si vous êtes d'accord, on envoie une facture, vous payez, j'arrive en direct, je vous ouvre la boîte et si vous voulez passer en magasin, sinon c'est expédié gratuitement à votre domicile, si vous le souhaitez. Alors voilà qui met fin à notre soirée Friday Night Live. Je vous remercie énormément, je souhaite à tous et à toutes des bonnes vacances, soyez très prudents. Moi, je reviens, je suis de retour lundi matin au magasin, dès 11h, et toujours un peu disponible pour vous répondre si vous avez des questions. C'est avec un énorme plaisir. Je vous souhaite la bonne fin de semaine et la bonne nuit à tous et à toutes. Au revoir, bonne soirée.